En battant Royal FC le 6 juin dernier pour le compte de la 29e journée, l'AS Douane a validé son titre de champion du Burkina Faso pour cette saison 2023-2024 avec 57 points. Au coup d'envoi de cette avant-dernière étape, les Gabelous avaient 54 points contre 51 à son Dauphin Majestique et 49 pour l'AS Onabel. Dans la confrontation entre les électriciens et les rouges et noirs, les premiers sont sortis vainqueurs 2-0. Avec 52 points, les hommes de Bourahima Kabore ne peuvent plus rattraper les Gabelous, quels que soient les résultats de la dernière journée. Antoine Ilboudo reconnaît néanmoins que la tâche a été difficile. Même la saison passée, nous avons été acculés jusqu'à 3 points, mais bon, ça ne nous a pas empêché d'être champions. Voilà, c'est vrai qu'on a peut-être perdu plus de matchs que la saison dernière, mais bon, naturellement, l'objectif, c'est d'être champion. Nous n'avons pas la prétention de tout dérouler, mais d'être le premier à l'arrivée. Les hommes de Kamoumalo ont enregistré cette saison 10 points de moins que la saison dernière, où ils ont totalisé 67 points. Face à la difficulté de la tâche, Malo n'avait pas hésité à accuser ses joueurs de suffisance après la courte victoire face à l'Efo lors de la 22e journée. À 2-0, vous savez, on a tendance à dormir un peu sur le laurier. Quand l'adversaire revient à 2-1, ça devient notre match. Voilà, c'est ce que nous avons vécu et même la semaine passée, on a failli vivre cette situation face à la SEC de Kourou. C'est un aspect sur lequel nous devons travailler. Je pense qu'au plan mental, il y a beaucoup de boulot à faire. Il y a quelque peu, j'allais dire, de la suffisance un peu dans les rangs lorsque ça devient comme ça. Donc nous devons travailler dans ce sens-là. Mais la sérénité est vite revenue, si bien qu'après la défaite contre Salitas à la 25e journée et la réduction des 3 points avec son Dauphin Majestique, Kamoumalo est resté serein. Bon, la pression, ça c'est depuis la première journée. C'est depuis la première journée. C'est pas parce qu'ils sont à 2 ou 1 point que nous allons paniquer. C'est le football. Rien ne prouve que notre prochain match, nous n'allons pas gagner. Voilà, c'est le foot. Les autres aussi travaillent pour revenir, c'est normal. Et c'est ça le football, c'est la beauté en tout cas du championnat burkinabé. Avec ce deuxième titre consécutif, l'AS Douane démontre qu'elle est actuellement l'équipe la plus en forme au Burkina Faso.